réponse à une question d'un abonné. Donc, le frottard que je vais changer, que j'ai démonté. Donc, c'est composé sur l'extérieur d'un écrou pour serrer le ressort avec un système central. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un frottard, un système d'arrêt, en fait, c'est de la garniture qui permet d'amortir et de ralentir, donc qui fait friction entre cette partie gauche et cette partie droite que vous avez là, avec au centre, donc un morceau de métal qui fait la tension entre les deux. Donc je vais le remonter pour le mettre après sur notre axe ici que nous avons ressoudé. Voilà, donc j'ai acheté cet bel outil, hein, et je vous mettrai une photo de cette notice que j'ai reçue avec démontage, remplacement d'un batteur, avec le démontage, remontage d'un frotteur. Donc voilà, donc je vais faire un peu la loupe, démontage d'un frotteur, remontage d'un frotteur. Voilà, donc je vous mettrai une photo de ça. Ça sera sympa. Allez, je remonte le tout et on s'attelle à l'utilisation de cet outil pour le remontage de ce frotteur. Bon, alors voilà, le frotteur est en place avec l'outil qui dispose de deux écartements différents. Donc voici, donc c'est un écartement fin. Donc j'ai placé le frotteur sur les pattes ici, comme vous pouvez le voir, et donc ce n'est pas en face. Donc il faut que j'aille chercher la possibilité, donc il faut que je le tende comme ceci. Voilà, et donc j'essaye de le taper comme ça. Et voilà, donc voilà, mon frotteur est tendu, il est rentré, donc autant dire que sans l'outil, c'est pas possible. Reste plus qu'à orienter ça au niveau des fixations, et ça, pour le faire, vous soulevez juste le bras. Voilà. Voilà, donc de plus près, donc ça y est, c'est positionné. On voit les trois pattes sont dedans. Il n'y a plus de jeu ici. Et donc j'ai procédé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai soulevé le bras pour pouvoir venir en face des trous. J'ai fixé un boulon, comme ça au moins. Je suis en redescendant. C'est propre, c'est bien, tout est en face et je vais pouvoir fermer. Et après, je vais mettre le caoutchouc, hop, le caoutchouc par-dessus, comme ça, qui était livré avec le nouveau frotteur, vu que je n'ai pas de joint papier. De l'autre côté, donc j'ai découpé un joint papier pour pouvoir remettre mon ancien frotteur.